m'appelle Olivier Plaza, je suis actuellement directeur artistique chez Timto. C'est une boîte d'animation basée sur Paris, essentiellement en 3D, mais qui s'exporte beaucoup à l'étranger. Alors moi, je supervise, je coordonne tout ce qui va être la création graphique dans les projets en développement, c'est-à-dire avant même qu'ils soient signés, parfois même qu'ils sont signés mais dont on a besoin d'un pilote, donc c'est-à-dire la réalisation d'une partie animée très courte, mais full anime, c'est-à-dire avec les designs déjà finis, etc. Et je coordonne en fait avec là ou le réalisateur, parfois les réalisateurs, afin d'avoir toute la partie graphique. Et souvent, moi, je coordonne la 2D qui va ensuite être transformée en 3D. On bosse avec Disney, DreamWorks, avec Passion Pictures parfois, avec des studios de 3D étrangers, parfois des boîtes de com, ça dépend. Chez Airtube, j'interviens sur plusieurs domaines. Je fais à la fois de l'illustration, donc intervention en illustration un peu plus longue. Donc c'est essayer, avec les acquis des étudiants, de pousser une vision artistique et une DA, donc une direction artistique sur un ensemble d'images, mais qui puisse être cohérente et s'affranchir des codes académiques, parce que souvent, on a envie de voir des illustrations modernes et des choses modernes. J'interviens aussi comme dans un cours, un workshop de character design. Donc ça, c'est plutôt mon corps de métier, parce que c'est ce que je faisais avant d'être dans l'entreprise dont je vous ai parlé. Et c'est vraiment apprendre à dessiner les personnages, les mettre en pose, les faire tourner. Et c'est vraiment une chaîne. Et c'est, character design, c'est une étape qui vient en fait pour permettre à toutes les autres étapes de l'animation de pouvoir rouler. C'est-à-dire qu'à partir de ce travail-là, les équipes d'anime vont pouvoir faire de belles animations, etc. etc. Il y a vraiment un boom sur la consommation en streaming de programmes audiovisuels. L'animation en France, déjà c'est un fer de lance, la France, de l'animation dans le monde. Elle rayonne. C'est en train de devenir vraiment exponentiel. Et en fait, de travailler l'animation va pouvoir permettre aux étudiants d'avoir un regard de directeur artistique, un regard de réalisateur, un regard de designer, un regard de technicien, et ce qui va leur permettre de trouver du travail assez facilement, parce que vraiment les métiers de l'animation sont très très vastes et très variés. J'ai été étudiant avant, j'ai eu affaire à des professeurs tellement passionnés qui m'ont transmis les choses, et j'ai vraiment envie de transmettre à mon tour toutes les petites choses que j'ai apprises à l'école et aussi dans le milieu du travail, c'est-à-dire les petits tips, les petites choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, pour essayer de faciliter au maximum la formation des étudiants.